Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nous rejoindre pour ce début de soirée. Vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de venir au pôle, on vous invite très très régulièrement à voyager dans le temps et dans des temps anciens, puisqu'on remonte jusqu'à la préhistoire. Et de temps en temps, on vous invite à voyager aussi dans l'espace. Et donc, on voyagera bien dans le temps, mais peut-être un peu moins loin, effectivement, Geoffrey Misch nous en parlera. Et surtout, on va voyager loin, sur des terres lointaines, à la découverte donc, de l'art rupestre et d'un art qui reste encore très vivant, en fait. Alors, pas peut-être en représentation graphique, mais en tout et cas de cause, dans la manière dont il est intégré dans des traditions et des rituels qui, eux, restent tout à fait vivants. Voilà, donc nous avons le plaisir d'accueillir Geoffrey Misch, qui est donc docteur en préhistoire et en histoire, qui est en archéologie, voilà, qui est enseignant et chercheur à l'Université de Toulouse, et vous rattachez donc au laboratoire Trace, dont vous trouvez le logo juste derrière moi, là, sur la diapositive, et surtout qui dirige ou co-dirige les recherches sur le massif du Lovot, qui est donc un massif qui se situe... vous avez un magnifique paysage qui est derrière nous, et qui se situe donc dans le Congo actuel, mais surtout qui est le territoire de l'ancien royaume du Congo. Voilà, donc vous aurez bien évidemment, à la suite de l'intervention de Geoffrey, la possibilité de le questionner, de réagir, voilà. Et c'est également valable donc pour les personnes qui nous suivent en ligne, puisque la conférence est également retransmise en direct sur YouTube. Donc, à l'attention des gens qui sont en ligne, vous pouvez poser vos questions par le biais du chat, et on s'efforcera de les répercuter dans la salle, quoi. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, et puis je laisse tout de suite la parole à Geoffrey Misch. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, comme M. Bin l'a dit, donc je m'appelle Geoffrey Misch. Je suis actuellement enseignant temporaire à l'Université de Toulouse. Et aujourd'hui, notre conférence ne va pas forcément porter sur la préhistoire à proprement parler, mais plus des périodes récentes. Et il sera question donc d'un ancien royaume africain, le royaume de Congo. Donc, je vais vous parler des arts rupestres africains, et donc en particulier du site qu'on étudie, qui s'appelle le Massif de Lovot, en République démocratique du Congo. Alors, c'est vrai que quand on parle d'art préhistorique ou d'art rupestre, on a tous en tête les sites, par exemple, de la vallée de la Vézère, avec la grotte de Lascaux, ou la grotte d'Altamira, ou à présent la grotte de Chauvet. Mais il faut savoir que partout en Afrique abondent des peintures et des gravures rupestres. Donc il faut savoir que les plus anciennes de ces peintures naturalistes remontent vers 30 000 ans, et l'ornementation d'abri est encore vivante dans plusieurs régions. Alors, pour illustrer tout ça, donc voici une carte. C'est une carte de distribution approximative des grandes écoles d'art rupestre qui sont connues sur le continent. Donc, juste pour vous donner à voir un peu toute la diversité. Donc, après, c'est une carte qui est éclairante et qui a été réalisée d'ailleurs par Jean-Louis Lecollec. Alors, peut-être que certaines d'entre vous ont pu voir sa conférence. C'était un petit clin d'œil aussi. C'était l'une des dernières conférences qui a eu lieu au pôle d'interprétation de la préhistoire. Donc, si on regarde cette carte, on voit qu'il y a plusieurs concentrations d'art rupestre, et notamment une région en Afrique australe. Donc, on va commencer à regarder d'un peu plus près ce qui se passe en Afrique australe. Donc, voilà ce qu'on peut y trouver. Donc, par exemple, ici, vous avez un célèbre panneau orné du massif du Drakensberg en Afrique du Sud. Donc, cette zone de l'Afrique australe, c'est l'une des plus riches en figuration rupestre dans le monde. Et ce qu'on peut dire, que ces images sont apparemment plus proches, du moins dans leur conception graphique, de notre norme artistique
occidentales, c'est-à-dire que ça nous parle, ben, ça nous les rend peut-être plus familières, parce que finalement, c'est des représentations qui sont très naturalistes, un peu finalement comme on peut trouver dans l'art paléolithique. Et en fait, cet art, ce qu'on peut dire, il est essentiellement peint et gravé, il représente essentiellement des représentations de la grande faune africaine. Donc il faut savoir qu'on en trouve du Mozambique en Namibie et du Cap au Zimbabwe, et ça se compte, en fait il y en a plusieurs dizaines de milliers de ces peintures. On trouve aussi des sites avec des gravures, mais qui sont peut-être moins importants au niveau du plateau central sud-africain, au Botswana et en Namibie toujours. Donc ça c'est pour l'Afrique australe. C'était juste pour vous brosser un petit aperçu des arts rupestres qu'on peut trouver en Afrique. Et par contre, en Afrique centrale, ben la situation elle est totalement différente. Donc à la différence des arts rupestres d'Afrique australe ou aussi du Sahara, ceux d'Afrique centrale restent souvent mal connus ou peu étudiés, bien qu'ils aient été signalés assez tôt, dès le XVIe siècle. Et donc, c'est bien avant, finalement, les premières découvertes d'art préhistorique en Europe qui datent de la fin du XIXe siècle avec la grotte ornée d'Altamira. Donc, du coup, il y a cependant quelques sites qui font exception et qui ont été étudiés de manière approfondie. Je pense en particulier, je vais juste prendre quelques exemples, aux gravures schématiques de la vallée de l'Ogooué. Donc là, on est au Gabon. Donc c'est un site qui a été classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut aussi penser au site camerounais de Bizarre, où on trouve une centaine de pétroglyphes circulaires, comme cet exemple que vous voyez ici. On a aussi des représentations de couteaux de jet. Donc là aussi, c'est très schématique. Donc on en trouve en République centrafricaine, mais on en trouve aussi en République démocratique du Congo et aussi au Cameroun. Donc là, vous avez les images rupestres du massif de Lovo, donc on va en parler tout de suite, et les peintures d'Angola. Donc on peut expliquer peut-être le peu d'intérêt qu'ont eu jusque-là les arts rupestres d'Afrique centrale par leur caractère non figuratif, à la différence par exemple de ce qu'on peut trouver au Sahara ou en Afrique australe, où encore une fois c'est des arts rupestres qui sont pour la plupart, pas tous bien sûr, mais pour la plupart naturalistes. Donc de manière générale, elles sont composées le plus souvent de signes simples. Donc on trouve des cercles, on trouve des cupules, on trouve des traits, et ils sont associés à des représentations schématiques. Donc du coup, pour essayer d'approcher un peu le sens de ces peintures, c'est extrêmement compliqué. Mais ça ne l'est qu'en apparence. Et ce que je voulais rajouter aussi un peu en introduction de cette conférence, c'est que de plus en plus, on tend à considérer les images rupestres comme tout autre objet archéologique parmi d'autres, et quelle que soit sa signification. Et il est probable que les prospections dans cette zone d'Afrique centrale se multiplieront au cours de ces prochaines années. Il y a toute une nouvelle génération de chercheurs, notamment africains et européens et étrangers, qui étudient ces arts rupestres. Donc il y a de fortes chances qu'on puisse avoir dans les années prochaines de nombreux inventaires. Et donc, on va partir à présent en République démocratique du Congo avec le massif de Lovo. Donc, le massif de Lovo se situe dans la région qui est la plus à l'ouest de la République démocratique du Congo, qui s'appelle le Congo central. Et juste pour vous donner un petit ordre de grandeur, la République démocratique du Congo, donc c'est le plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Et en superficie, ça équivaut un peu à la taille de l'Europe de l'Ouest. Donc c'est quand même un pays qui est assez immense. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la République démocratique du Congo est connue maintenant depuis longtemps comme ayant l'une des plus importantes concentrations de sites rupestres de toute la région. Donc voici une carte du Congo central. Donc dans le Congo central, des stations rupestres s'égrènent
de Kinshasa, que vous voyez juste ici, à la côte atlantique, ici, et du nord de l'Angola, au sud du Congo-Brazzaville. Et au total, on a pu inventorier environ 160 sites d'art rupestre dans le Congo central, dont plus de 100 dans le massif de Lovo. Donc les sites d'art rupestre, c'est les petits ronds rouges que vous voyez sur la carte. Donc après, il paraît en avoir moins, mais c'est parce que dans certains endroits, notamment à Lovo, il y a vraiment de fortes concentrations. Donc encore une fois, c'est un art qui a été signalé dès le XVIe siècle, puis au XIXe siècle par un explorateur britannique qui s'appelait James Stuckey lors de sa reconnaissance du fleuve Congo. Donc là, vous voyez une petite gravure qui illustrait son livre avec en arrière-plan le site d'art rupestre qui s'appelle le Fetish Rock. Mais malgré ça, ces images rupestres n'ont jamais fait l'objet de recherches de grande ampleur et leur âge reste très généralement incertain. Donc de ces recherches préliminaires, c'est quand même dégager un ensemble cohérent. Le massif de Lovo qui se trouve au niveau de l'encadré. Donc ce massif de Lovo, j'ai commencé à l'étudier pour ma thèse. Donc ça remonte un peu maintenant, ça fait près de 15 ans en 2007. Et c'est un travail, une recherche qui se poursuit aujourd'hui avec un programme de recherche qui est soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, pour vous donner un petit aperçu du massif de Lovo, il faut vous imaginer que sur près de 400 km² se dressent des centaines de promontoires calcaires avec vraiment des reliefs spectaculaires. Et ces massifs sont percés de nombreuses grottes et d'abris sous roches. Donc là, vous voyez une vue aérienne qu'on a faite par drone. Et c'était juste pour vous donner un peu une vue générale du massif. Et pour vous donner à voir aussi toute sa mesure. Donc après, on est là face à une savane qui est très clairsemée, avec quelques arbustes éparpillés. Et on a aussi quelques petits îlots forestiers qui restent. Donc je vous laisse regarder. C'est un paysage qui est vraiment à couper le souffle. Normalement, il y aura juste un petit changement de direction pour aller vers un village. Pour que vous puissiez aussi avoir une vue d'un village typique. Voilà, du massif de Lovo. Et donc, vous voyez aussi que ce village, donc c'est Lovo, et il est entouré de forêts. Donc, on trouve parfois encore un peu de couvert forestier, mais c'est vraiment très, très localisé. Donc, voilà pour cette vue aérienne. Donc avec 117 sites inventoriés, dont 20 grottes ornées, le massif de Lovo contient la plus importante concentration de sites rupestres de toute la région. Donc au cours de nos prospections, donc qui ont commencé en 2007 et jusqu'en 2021, donc on est retourné sur le terrain l'an dernier, on a pu examiner 73 sites d'art rupestre, dont 66 n'avaient pas encore été étudiés, et ce qui représente près de 5700 images rupestres. Et donc, du coup, ça montre tout le potentiel de recherche qui reste encore. Parce qu'il faut savoir que c'est des sites qui sont très difficiles d'accès. On a beau voir, par exemple, un massif, mais il faut plusieurs heures, voire plus d'une demi-journée pour y accéder. Les herbes sont hautes, plus de 2 mètres, et on y va donc à coups de machette. Donc, pour prospecter systématiquement chaque massif, c'est extrêmement laborieux et compliqué. Donc, les prospections sont loin d'être terminées. En tout cas, il y a une grande variété de localisation des images rupestres. Donc, on en trouve sur le lit des rivières, au sommet des montagnes, comme vous voyez avec le site à gravure de Ngembo
en bas à droite. On nous trouve aussi au pied des falaises, donc comme en haut, le site de Dimbankondo. On en trouve aussi des peintures ou des gravures dans les abris et jusque dans les profondeurs des grottes, donc dans l'obscurité la plus totale. Comme ici, avec la grotte ornée de Tobo. Donc, comme les arts rupestres d'Afrique centrale, il y a une majorité de figures géométriques. Donc, on trouve des croix, des cercles, des quadrillages. Mais ça peut être des formes géométriques simples, comme ça peut être des formes géométriques très complexes, très élaborées, comme celles que vous voyez ici. Et ces formes géométriques peuvent être associées à des représentations zoomorphes. Ça peut être la plupart du temps, c'est des lézards qui sont représentés ou des antilopes. Ces géométriques peuvent aussi être associées à des figures anthropomorphes qui peuvent être armées d'épées et de boucliers, d'arcs et de flèches, et pour les plus récentes, de fusils. Donc après, une petite parenthèse aussi, je serai amené à utiliser les termes de la certiforme, comme vous voyez d'ailleurs ici sur la légende, d'anthropomorphe ou de zoomorphe. C'est un peu du jargon qu'on utilise pour décrire les représentations. Donc c'est au lieu de dire finalement figure humaine, on va préférer parler plus volontiers d'anthropomorphe. Pour les animaux, c'est zoomorphe. Et pour les lézards, on parle de lacertiforme, c'est-à-dire en forme de lézard. On trouve aussi exceptionnellement des théranthropes. Donc ça, c'est encore un autre terme. Et les théranthropes, c'est des êtres qui ont à la fois des parties humaines et des parties animales. Donc ici, vous voyez deux théranthropes qui ont leur partie supérieure humaine et une partie inférieure qui fait penser à quelque chose de l'ordre du lézard, du bactracien. Et donc la grande question qu'on a eu à se poser finalement, c'est de quand dater ces peintures et ce qu'elles signifiaient pour celles et ceux qui les ont réalisées. Parce qu'encore une fois, avant qu'on reprenne l'étude du massif de Lovo, on ne savait pas de quand dater précisément ces peintures et on ne savait pas ce qu'elles signifiaient. Donc aujourd'hui, le massif de Lovo est peuplé par les Ndibou. Les Ndibou, c'est un des sous-groupes Congo. Et là aussi, je voulais faire une autre parenthèse, je suis désolé. C'est-à-dire que vous verrez parfois Congo avec un C et Congo avec un K. Donc Congo avec un C, c'est en référence au pays aujourd'hui, donc la République démocratique du Congo. Aussi pour le Congo voisin, donc le Congo-Brazzaville. On utilise aussi le C de Congo pour le fleuve Congo. Mais Congo avec un K, donc ça fait référence aux habitants de cette province du Congo central, donc là aussi avec un K, et à ce fameux royaume de Congo, donc on aura l'occasion de revoir. Donc encore une petite précision, pour vous situer aussi un peu mieux le massif, parce qu'on voit ces grandes étendues sauvages, naturelles, etc., avec ces magnifiques massifs, mais ils sont peuplés. C'est-à-dire qu'il y a au moins une dizaine de villages qui entourent tous les massifs. Et là, vous voyez le village de Lovo qui donne son nom donc à l'entièreté du massif tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est dans ce village notamment où on est amené à séjourner donc quand on fait nos recherches de terrain. Et j'en profite pour vous faire un petit flashback. Là, nous sommes en 1896 et lors de la construction du chemin de fer qui reliait Léopoldville. Donc Léopoldville, c'est l'actuelle Kinshasa, donc la capitale de la République démocratique du Congo, à une ville portuaire qui s'appelle Matadi, qui se trouve sur la côte. Et donc, entre les années 1890 et 1898, il y a au moins plus de 600 photographies qui ont été réalisées donc, pour documenter donc, le tracé de ce chemin de fer. Et lors de mes recherches documentaires, je suis tombé sur ce fond qui est extrêmement intéressant et important parce qu'il documente aussi des rituels tels qu'ils se pratiquaient à l'époque. Et je me suis rendu compte que le tracé de l'ancien chemin de fer passait directement dans le massif de Lovo. Donc du coup, on a un petit éclairage du massif de Lovo il y a 100 ans. C'est une série de quelques petites photos, mais qui sont intéressantes. Et notamment celle-ci qui montre la vue d'un village
tel qu'il était il y a 100 ans. Donc on peut voir les habitations, on peut voir aussi ici en arrière-plan un massif. Donc là, je vous mets un petit agrandissement. Mais ce que nous savons aussi, et ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est que le massif de Lovo se trouvait donc au nord d'un ancien royaume africain, le royaume de Congo. Et donc le royaume de Congo, ben, c'est un terrain d'étude et d'observation qui est privilégié parce qu'il nous permet finalement d'étudier une société africaine sur la longue durée, donc près d'un demi-millénaire. Donc il faut savoir que les navigateurs portugais arrivèrent à l'embouchure du fleuve Congo en 1483 et ils furent surpris d'y découvrir une structure politique centralisée qui leur rappelait leur propre royaume. À son apogée, donc, qui se situe grosso modo entre les 16e et 17e siècles, le royaume de Congo s'étendait à cheval entre les États modernes de la République démocratique du Congo, du Congo-Brazzaville et de l'Angola sur une superficie qui allait jusqu'à 130 000 km². Donc c'est un territoire assez immense. Donc les premiers rois du Congo sont christianisés dès le 15e siècle. Et des missionnaires, des ambassadeurs et des commerçants ont pu décrire par leur compte-rendu finalement la vie quotidienne et religieuse de cet ancien royaume de manière assez précise. Donc à partir de la fin du 15e siècle finalement, l'histoire du royaume de Congo est connue non seulement des récits d'explorateurs et de missionnaires européens, mais aussi, ce qui est extrêmement intéressant, des Congos eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'on a ce double éclairage à la fois des Congos et à la fois des Européens. Et pour les documents, les sources qui ont été rédigées par les Congos, bah, c'est surtout des correspondances de rois du Congo avec les souverains de l'époque. Ça pouvait être le souverain du Portugal ou ça pouvait être même le pape de l'époque et qui nous donne des informations sur des traditions historiques sur l'origine du royaume, sur la généalogie des rois. Donc c'est extrêmement intéressant pour nous. Mais après, il faut savoir aussi que même si ce royaume de Congo est l'un des mieux documentés finalement de toute l'Afrique à partir de la fin du 15e siècle, il reste en grande partie encore méconnu sur le plan archéologique. Donc on a entrepris nos recherches pour pallier à certaines de ces lacunes. Un vol d'oiseau, ben on peut aussi rappeler que Lovo ne se trouve qu'à une soixantaine de kilomètres au nord de Mbandakongo, que vous voyez en bas de l'image, et qui était en fait l'ancienne capitale du royaume de Congo, et qui se situe aujourd'hui dans l'actuel territoire de l'Angola. Donc il faut savoir que c'était vraiment un royaume très organisé, avec une capitale, des capitales provinciales, des axes de circulation, avec un roi, enfin schématiquement un roi, un pendant religieux, avec ensuite il y avait enfin toute une terminologie qui reprenait la terminologie européenne avec des comtes, avec des ducs, etc. Donc c'était vraiment un royaume extrêmement organisé. Et donc avant de vous présenter en détail certains des résultats de nos recherches, je voulais juste souligner encore une fois, que ces résultats sont... Voilà, ça fait maintenant depuis 2007, donc près de 15 ans, qu'on travaille sur le massif de Lovo. Et on a la chance aujourd'hui qu'il se poursuit par un important projet de coopération entre la République démocratique du Congo et la France. Donc en République démocratique du Congo, notre mission est coordonnée par l'Institut des musées nationaux du Congo, qui est finalement l'instance congolaise en charge de la protection et de la conservation du patrimoine. Et en France, elle est soutenue par la Commission des fouilles archéologiques françaises à l'étranger du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et on a également bénéficié du soutien du ministère de la Culture et du Centre national de préhistoire. Et même si je suis aujourd'hui le seul à vous parler aujourd'hui, c'est un travail qui est éminemment collectif. Et je pense en particulier à Clément Mambounsangati, qui est co-responsable avec moi de cette mission. Donc, Clément est un archéologue congolais qui travaille à l'Institut des musées nationaux du Congo.
Donc, je pense aussi aux autres membres de mon équipe, bon, que je ne peux pas tous nommer, mais que j'en profite enfin pour remercier chaleureusement. Donc, passons aux résultats. Donc, notre étude a consisté à réaliser le premier inventaire systématique de la rupestre du massif de Louvain, enfin l'inventaire le plus exhaustif possible, du moins. Pour la première fois, donc, on a pu effectuer des datations directes de la rupestre par la méthode du radiocarbone avec la collaboration d'un laboratoire qui s'appelle le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Donc, c'est un laboratoire qui se situe sous le musée du Louvre. Donc, au préalable, comme vous pouvez le voir ici, on a réalisé des observations au microscope électronique à balayage, ce qui nous a permis de mettre en évidence la présence de charbon de bois. Et pour faire simple, le microscope électronique à balayage, bah, ça permet, d'obtenir des grossissements de l'ordre du nanomètre, et ça marche avec un faisceau d'électrons. Donc, ce qui nous permet d'avoir des images comme celle que vous voyez en haut, où on voit bien la structure du bois. C'est cette structure qui est alvéolée. Et ça nous permet aussi d'avoir des graphiques pour un peu identifier la composition des pigments qui ont été utilisés. Donc, dans le cas présent, on voit qu'il y a un grand pic de carbone. Donc, ça veut dire que nos dessins ou nos peintures ont été réalisés avec du charbon de bois et qu'on peut les dater avec la méthode du carbone 14. Donc, il suffit de 10 mg de ce pigment charbonné pour réaliser ensuite une datation directe. Donc, voici les datations obtenues. Donc, il faut savoir, ben, en préalable, que dater la rupestre en Afrique est un véritable défi et que seules quelques datations directes ont pour l'instant été obtenues. Donc, au total, on a pu obtenir 9 datations directes, dont 8 dans la seule grotte ornée de Togo, ce qui est pour l'heure sans équivalent en Afrique, enfin, du moins à ma connaissance, je peux me tromper. Donc, les résultats obtenus pour les dessins de la grotte de Togo montrent des dates comprises entre les 15e et 18e siècles. Donc, encore une fois, c'est relativement récent. Et on peut se dire que voilà, que ce n'est pas forcément très intéressant parce qu'on a toujours envie que ce soit plus ancien. Mais au contraire, ça l'est extrêmement parce que ça nous permet de rattacher ces images rupestres à ce fameux royaume de Congo et à ses rituels. Et même s'il faut aussi, bien sûr, toujours regarder ces résultats avec des petites pincettes, parce que finalement, le charbon de bois qu'on a pu dater peut dater d'une précédente occupation et on a pu après réaliser des peintures plusieurs siècles après. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse aussi par rapport aux résultats. En tout cas, on a pu dater ce type de croix. Donc c'est des croix coupées en leur milieu, donc qui ont été datées du XVIIe siècle et qui sont comparables par leur forme à bon nombre d'objets Congo d'influence chrétienne, comme ici ce crucifix. Il y a par contre un résultat qui fait exception, car il est beaucoup plus ancien. Le voici. Donc, il remonterait au 7e siècle de notre ère. Donc, il pourrait s'agir d'une représentation zoomorphe indéterminée, mais la figure en elle-même est tellement schématique qu'on peut affirmer, enfin, pas grand-chose à ce sujet-là. En tout cas, c'est un dessin qu'on a pu trouver dans une petite alcôve cachée dans la salle d'entrée de la grotte de Tovo. Ensuite, dans la grotte ornée de Nkamba, donc ça, c'est une autre grotte ornée, on a pu dater cet anthropomorphe qui a la main gauche posée sur la hanche et le bras droit levé. Donc, cet anthropomorphe a été daté entre 1270 et 1620 de notre ère. Et cette datation permet donc de confirmer l'importance symbolique de cette posture qui était propre au Congo, en la faisant remonter peut-être jusqu'au XIIIe siècle. Et finalement, elle est d'autant plus précieuse également parce que finalement, sur ce royaume de Congo, sur son origine, sur sa date d'émergence, on sait que très peu de choses avant l'arrivée des Européens. Donc ça peut apporter encore un élément en plus. Donc, ces premiers éléments de datation seront aussi complétés par les travaux conjoints de deux chercheurs du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, Edwige Pons-Branchu et Hélène Valadas. Donc, l'objectif, c'est d'analyser des échantillons de voiles de calcite qui recouvrent des peintures géométriques rouges
grâce à deux méthodes de datation qu'on croise, donc à la fois la méthode uranium-thorium et la méthode du carbone 14. Donc ça, c'est des résultats qui sont actuellement en cours. Donc voici juste un peu une idée des prélèvements qu'on a effectués sur le site de Mbouboulou. Je ne vais encore une fois pas rentrer dans les détails parce que c'est des résultats sur lesquels on travaille encore. Mais à notre connaissance, cette technique de datation n'avait encore été jamais utilisée en contexte africain. On a déjà des petits premiers résultats qui avancent des dates avant le XVIIe siècle. Donc, encore une fois, c'est relativement récent. Et cela nous laisserait donc penser que ces images rupestres sont contemporaines de cet ancien royaume de Congo. Et on pourrait peut-être les attribuer à un rituel Congo spécifique. Donc là aussi, c'est juste à titre d'hypothèse. Mais dans tous les cas, ces premiers résultats, ces premiers éléments de datation demanderont à être confirmés pour obtenir un classement, un cadre chronologique beaucoup plus précis de la rupestre, qui permettra peut-être aussi de mettre en évidence une tradition plus ancienne, comme le laisse supposer donc l'une des datations de la grotte de Tovo, qui remonterait peut-être au 7e siècle. Et encore une fois, dater une peinture, c'est extrêmement compliqué. Il faut vraiment avoir une peinture qui s'adapte à un prélèvement de ce type. Et pour l'instant, on a pu dater deux sites de grottes ornées sur la centaine. Et donc, les motifs sont tellement divers dans leur style, dans leur thématique, que je pense qu'on a encore de belles surprises devant nous. En tout cas, dans l'état actuel de nos connaissances, ce que l'on peut déjà dire, c'est que le croisement des points de vue archéologiques, historiques et ethnographiques montre l'importance de la rupestre dans la culture Congo. Cet ensemble de résultats nous a donc permis d'intégrer la rupestre dans les pratiques rituelles Congo. Il confirme aussi que certains aspects rituels et symboliques Congo sont pré-chrétiens et se référeraient à la cosmogonie, à l'anthropogonie ou à des narrations associées à l'origine mythique de la mort. Donc pour faire simple, la cosmogonie, c'est la manière dont les anciens Congo s'imaginaient l'origine du monde et son évolution. Et l'anthropogonie, finalement, c'est des traditions qui sont relatives à l'origine de l'homme. Ces résultats montrent aussi que la rupestre est une illustration complémentaire de la diversité des supports qui ont accueilli un certain nombre de motifs décoratifs. C'est-à-dire qu'on trouve ces motifs rupestres dans d'autres objets d'art congolais, c'est ce qui est extrêmement intéressant. Je pense en particulier au tissu ou à la vannerie, comme on peut le voir ici. Aux olifants. Donc les olifants, c'est des corps en ivoire, là, comme celui-ci qui a été sculpté de manière, magnifiquement sur une défense d'éléphant. On trouve aussi ces mêmes motifs sur de la poterie. On peut aussi les trouver sur des crucifix, des stèles funéraires, des couvre-chefs, des parures, et même sur des signatures des rois et de nobles Congo, comme ici. Donc on se rend compte que les motifs rupestres et textiles, ces motifs en entrelacs, ces losanges entrelacés, ces grilles de forme quadrangulaire et losangique, et ces croix qui sont typiquement Congo sont récurrents. Et finalement, ils nous donnent à voir un peu un aperçu de ce qu'on pourrait appeler de la syntaxe visuelle Congo sur le long terme, c'est-à-dire qu'on a une sorte de vocabulaire des formes. Donc si on élargit l'étude hors de la rupestre en prenant en compte d'autres objets d'art. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, je trouve. Et du coup, on se rend compte que le losange et les compositions spiralées, qui sont donc dérivées de la vannerie du tissage, en forment les unités de base. Et notre étude a donc montré que la rupestre représente une partie importante de ce système décoratif de l'ancien royaume de Congo. On a donc pu montrer que finalement des signes très simples comme la croix peuvent se mettre à parler entre guillemets, mais à condition de pouvoir les dater et les situer dans un contexte culturel précis. On a d'ailleurs pu mettre en avant la teneur composite du message de la croix, qui est un des points d'articulation d'un syncrétisme religieux ancien. Ce signe, finalement, était un symbole clé non seulement du christianisme, mais aussi de la cosmologie Congo. Donc c'est ce qu'on va voir à présent.
Et cela va aussi nous permettre de lier une partie de la compesse à des pratiques initiatiques comme le Kinpachi ou le Santu. Donc là aussi, c'est extrêmement intéressant. On peut prendre l'exemple du Kinpachi, par exemple. Donc ça, c'est une cérémonie qui a été signalée dès le XVIIe siècle, notamment par des récits écrits comme celui du missionnaire Giovanni Antonio Cavazzi. Donc juste pour un peu faire de l'étymologie, Kinpachi, en fait, c'est un nom kikongo. Donc ki, c'est le lieu, et mpasi, c'est la souffrance. Donc c'est le lieu, finalement, où se déroule la souffrance. Et donc, par les textes des missionnaires, on sait que cette cérémonie, finalement, se déroulait au sud du fleuve Congo, et qu'on l'a pratiquée quand la communauté éprouvait le besoin de remédier aux maux qui l'accablaient. Et par les traditions orales, aussi par nos enquêtes ethnographiques qu'on a pu réaliser, on sait que deux massifs voisins, la grotte ornée de Tovo, ont abrité des Kinpachi jusqu'au début du XXe siècle. Et on sait aussi par nos enquêtes qu'un chef coutumier avait été initié lui-même au Kinpachi quand il était enfant. Et il nous a confirmé, il nous a révélé que des peintures étaient réalisées pendant cette cérémonie. Voilà juste le passage en question, ou des mentions, bon, c'est de l'italien. En tout cas, c'est le passage en question de Giovanni Antonio Cavazzi où il est question de ce Kinpachi. Et donc finalement, ce signe de la croix, ça a tout fait pour horrifier les missionnaires. Et c'était vraiment le centre de leurs préoccupations parce qu'ils se sont rendus compte que le Kinpachi, c'était l'un des insignes principaux de cette cérémonie d'initiation. Donc cette croix, on pouvait la trouver placée au centre de l'autel et flanquée de deux statues anthropomorphes. Elle pouvait marquer, indiquer les endroits qui étaient dédiés à cette association. Et cette croix était liée finalement à l'idée d'un passage cyclique de la vie et de la mort, et de la mort à la vie. Et c'était là le rituel clé du Kinpachi. On y trouvait aussi des pierres aux formes naturellement étranges et des bois noués badigeonnés de rouge qui symbolisaient des forces surnaturelles qu'on appelle les Nkita, et qui jouait aussi un rôle de premier plan dans cette cérémonie. Et on a d'ailleurs pu trouver dans une des grottes ornées un dépôt de ce type qu'on a pu dater par carbone 14 du XVIIe siècle. Donc vraiment, c'est cohérent dans les datations entre les peintures datées et ce dépôt. Donc encore une fois, aujourd'hui encore, il y a plusieurs témoignages finalement qui rattachent certains de ces sites dans le massif de Louvo à cette cérémonie d'initiation, comme par exemple le témoignage de Pierre-Constant Makumbu, que vous voyez au centre de la photo et qui est malheureusement aujourd'hui décédé. Et c'est donc lui qui a été initié enfant au Kinpachi. Donc au confluent des pensées religieuses congo et chrétiennes, la croix était donc un symbole d'égale importance dans les deux mondes. Elle appartenait aussi bien à la religion traditionnelle congo, dont l'usage, qui est antérieur à l'arrivée des missionnaires, relèverait d'un vieux fond symbolique congo qu'au christianisme. Et c'est pour ça qu'à ce titre, il nous semble donc très vraisemblable qu'une partie au moins de la rupesse, pas tout hein, bien sûr, mais une partie, et à titre d'hypothèse, ait pu être rattachée à cette initiation du Kinpachi. Toujours par rapport à ce motif de la croix, il faut savoir aussi que c'est un symbole de prestige et de valeur lié au pouvoir et à la royauté. Et elle ornait bon nombre de régalias. Donc les régalias, c'est des insignes royaux. Et donc vous voyez, par exemple, l'un de ces insignes, ça peut être ce couvre-chef. Donc c'était un peu l'équivalent pour nous des couronnes des princes et des monarques. En Kikongo, donc on l'appelle le mpu. Et donc on y voit un symbole de la croix. Et donc cette croix contribue aussi à renforcer les liens avec les forces surnaturelles dont elle symbolisait la présence. On pouvait aussi trouver ce motif, par exemple, dans les églises. Et la tradition à l'époque du règne de Congo, c'était d'enterrer les nobles à l'intérieur des églises. Et il y a notamment une ancienne église qui s'appelle Ngongombata, qui a fait l'objet de fouilles archéologiques et encore récemment, les fouilles ont été récemment reprises. Donc on y voit des crucifix, mais aussi des pierres tombales qui sont ornées de ce motif de la croix et qui sont semblables à celles que l'on peut trouver à Louvo.
Et donc, on peut voir ici notamment un de ces crucifix qui est très intéressant parce qu'il est orné sur ces trois branches de trois motifs en croix, donc qui sont semblables à celles qu'on peut trouver à l'Ovo. Un point essentiel, c'est aussi la relation entretenue avec les ancêtres. Parce qu'il faut savoir que dans la religion traditionnelle Congo, les défunts restent aux environs des tombes. Ça veut dire qu'ils peuvent aider les vivants ou les punir. Et donc, c'est vraiment la différence finalement de la théologie chrétienne où les défunts finalement n'ont pas d'influence sur les vivants. Et les croix des crucifix et des pierres tombales témoignaient donc de cette rencontre entre les pensées religieuses chrétiennes et Congo. Et elles suggéraient donc la possibilité d'un passage entre la vie et la mort. Tout comme ces églises dans lesquelles la noblesse Congo était enterrée, on se rend compte que certains sites d'Arupès ont aussi pu jouer un rôle dans ces cérémonies funéraires. Je pense en particulier à une grotte qui s'appelle la grotte de Mkilangandou, mais qui était une nécropole souterraine. C'est un grand couloir, et de part et d'autre du couloir, il y avait des niches naturelles où on a placé les défunts et on les a refermés avec des pierres. Donc c'est un site qui a malheureusement été détruit dans les années 50-60. Donc aujourd'hui, on ne retrouve plus aucun signe. Mais je pense par exemple aussi à la grotte de Ntoto, qui a un nom assez évocateur parce que Ntoto, ça veut dire la terre. Et donc c'est une grotte qui est aussi ornée et qui où on a découvert dans les années 50-60 une sépulture. Et donc cela m'a finalement conduit à soulever aussi la question de la possible fonction funéraire de ces sites d'Arupès dans les rituels Congo. Donc la croix est aussi présente dans d'autres contextes, mais cette fois-ci liée à des rituels de chasse. Donc là, on est plus spécifiquement dans la religion traditionnelle Congo et plus à l'écart de ces dimensions chrétiennes. Donc dans le massif de l'Ovo, par exemple, il nous a été donné d'étudier six sites qui n'avaient encore été répertoriés et qui représentent près de 700 images rupestres. Et sur ces sites, il y a un type de croix bien particulier. Donc c'est celui-ci. Donc c'est encore un type de croix différent que celui qu'on a vu jusque-là, qui était une croix coupée en 100 milieux. Et parmi ces images, on voit aussi la grande majorité finalement des figures anthropomorphes adoptent une posture caractéristique de l'art Congo, avec toujours cette main gauche sur la hanche et un bras qui brandit une arme à feu. Et à plusieurs reprises sur ces sites, donc ces deux massifs, le massif de Ndimbankondo et de Nyangu, donc à plusieurs reprises, on observe aussi des scènes qui montrent ces mêmes figures anthropomorphes qui peuvent être accompagnées de canidés, donc de chiens, et qui font face à des représentations zoomorphes, pour la plupart des antilopes, dans des groupes qui pourraient être interprétés comme des scènes de chasse, enfin un titre d'hypothèse. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on retrouve ce même type de croix peinte et gravée à l'Ovo dans un rituel qui s'appelle le Santu. L'institution du Santu, ce rituel, a été observé à la fin du 19e siècle et on y trouvait des croix de ce type, et donc avec ce même motif que l'on retrouve à la fois sur les parois et sur cette croix Santu. Donc l'un des rituels principaux de l'institution du Santu consistait à se prosterner sur la tombe d'un chasseur défunt pour en obtenir sa bénédiction. Et donc là aussi, il y a un lien très fort, très étroit, qui est entretenu avec les ancêtres dans ce rituel. Donc voilà pour le motif de la croix. Rapidement, j'ai juste un peu parlé du motif du lézard, parce que c'est un motif qui est aussi important. Je ne vais pas trop m'y attarder, mais c'est quand même l'animal qui est le plus fréquemment figuré dans le massif de l'Ovo. Donc, un lacertiforme dessiné dans une des grottes de l'Ovo a pu être daté par la méthode du radiocarbone entre les XIIIe et XVIe siècles.
Donc, ce qui confirme déjà l'importance symbolique de ce motif dans la culture visuelle Congo. Ce qui est également intéressant, c'est que sur un autre site à gravure au nord-ouest de Louvo, on trouve deux lacertiformes qui sont associés à une croix latine. Et il y en a l'un d'entre eux qui se mêle au tracé de cette croix, de sorte finalement que la tête du zoomorphe se confond avec sa branche supérieure. Donc ça, c'est un motif qui est extrêmement intéressant finalement parce qu'il mêle à la fois ce motif du lézard et le motif de la croix. Et donc cette association du lézard et de la croix, que l'on peut s'y retrouver sur ce crucifix, même si c'est moins évident, mais en tout cas c'est une représentation qui semble zoomorphe, qui a quelque chose de l'ordre de l'animal, ben nous autorise une dernière interrogation. Se pourrait-il que cet animal soit également lié à la notion de résurrection? Parce que finalement, l'une des caractéristiques frappantes du lézard, ben, c'est sa mue. Donc il semble en effet mourir, puis renaître après avoir changé de peau. Et les motifs, il faut savoir aussi, donc je vais peut-être un peu rapidement ici, mais que dans les traditions orales, il y a beaucoup de traditions qui font référence au lézard et dans cette idée que le lézard est médiateur entre le monde des vivants et des morts. Et donc finalement, ces motifs de la croix et du lézard se trouvent donc au confluent donc des pensées religieuses congo et chrétiennes. Et ces motifs ont pu être associés pour illustrer d'anciennes conceptions donc, sur la mort, sur l'autre monde, sur la mue et possiblement sur la résurrection. Dans tous les cas, ces résultats montrent que la rupestre joue bel et bien un rôle important dans la culture Congo. La rupestre participe donc du même système décoratif Congo. Il est bel et bien une partie importante des vestiges du royaume de Congo. Et encore une fois, comme on l'a vu, bah, des signes très simples comme la croix, par exemple, peuvent se mettre à parler à condition de pouvoir les dater et les situer dans un contexte culturel précis. Et ce n'est qu'une fois, et finalement, ce n'est qu'une fois les images situées dans le temps qu'elles peuvent être utilisées comme des documents historiques et ainsi contribuer à l'écriture de l'histoire du peuplement du continent africain. Donc je vais passer à une autre partie, un autre point important, qui est le rapport entre l'art rupestre et la mythologie. Donc finalement, dans les études sur l'art rupestre, la tendance générale est au vieillissement, finalement, peut-être dû à une fascination pour la question des origines. Alors finalement, c'est plus c'est vieux, plus c'est intéressant. Alors si on est quelque chose, si on étudie quelque chose qui est plus récent, alors on se dit, mais pourquoi tu étudies ça? C'est quand même, et puis c'est assez schématique, etc. Et c'est un peu un leitmotiv que j'ai, parce que finalement, il faut bien garder à l'esprit finalement que si on est face à un art ancien, voire préhistorique, il peut fort bien être intégré à des pratiques actuelles qui est susceptible de lui donner des motivations nouvelles. Et c'est ce que je trouve extrêmement intéressant. Et si l'art en lui-même est récent, ben il peut aussi s'éclairer grâce aux données de l'ethnographie. Donc c'est ce que nous allons découvrir dans cette partie. Il faut savoir donc que ces sites sont toujours sacrés et font toujours l'objet de rituels, de cérémonies. Les images rupestres sont si étroitement associées à des traditions orales. Et notre objectif finalement, c'était d'enquêter sur ces traditions pour mieux comprendre finalement le lien entre les images, les rituels, les mythes et leur résonance sur la vie des Congo aujourd'hui. Et dans le cas du massif de Louvo, toutes les traditions mythiques répertoriées concorde en faisant état d'une double anthropogonie. Donc une double anthropogonie, c'est une double création, une double origine de l'homme. Donc la première création a produit des petits êtres difformes, et c'est eux qui ont gravé les rochers avant de disparaître. Et lors de leur dispersion, les différents clans Congo sont arrivés, et sur les terres donc, de ces êtres mythiques, qu'on appelle en Kikongo les Mafulamengo, les Bunibodila, les Mbaka Mbaka,
dans les traditions orales de Lovo, ben, il n'est par contre pas question de Mbaka, que l'on peut identifier tantôt à des nains ou tantôt aux ancêtres des pygmées. Mais par contre, on fait beaucoup référence aux Mafulamengo. Et les Mafulamengo étaient associés au travail du fer, à la puissance, au pouvoir qu'ils confèrent. Et donc, c'était la première humanité détentrice du savoir de la forge, du secret de la forge. Donc, c'était considéré comme de grands forgerons. Et donc, comme souvent en Afrique, finalement, ce n'est pas un cas unique. Les images rupestres sont donc considérées comme l'œuvre de populations mythiques qui sont les anciens possesseurs du sol et qui sont restés les maîtres des éléments. Donc, ils ne sont pas apparentés finalement aux populations actuelles, mais ils ont gardé donc, ce pouvoir. Avec les Mafulamengo et les Mbudimbudila, il y a également d'autres êtres mythiques qui s'appellent les Simbi. Donc les Simbi, c'est des esprits locaux protecteurs d'un village, c'est des esprits de la nature et qui sont considérés dans les traditions comme étant les auteurs de ces gravures et de ces peintures, notamment sur deux sites, Gembo et Fakumbi. Gembo et Fakumbi, c'est deux sites assez incroyables à étudier. C'est deux sites à gravure qui se situent dans le même territoire, dans le même village. Gembo se situe au sommet d'une montagne, donc il y a plusieurs centaines de gravures vraiment qui sont très finement réalisées. Et Fakumbi, c'est le site que vous voyez ici. Donc c'est les gravures se situent finalement sur le lit de la rivière qui est à sec en saison sèche. Sur une bonne centaine de mètres, donc on trouve plusieurs centaines de gravures rupestres. Bernard Ivan Gambuta, c'était le chef de ce village de Mkulasnel. Il est récemment décédé. Et puis c'était pour nous une de nos plus belles rencontres au Congo, parce que du coup, on avait cette facilité finalement de... Il parlait très bien français, donc on avait cette facilité de directement se parler, à la différence des autres chefs coutumiers, où on parlait un mélange de Lingala, donc qui est la langue qui est parlée dans tout le Congo, de Kindibu, donc qui est vraiment la langue qui est parlée localement. Et donc on passait du Kindibu, enfin du Kikongo, au Lingala, au français, donc on perd beaucoup d'éléments. Et donc là, il y avait cette force de pouvoir directement se parler et en français. Et donc, ce Bernard estimait que 12 Simbi étaient figurés à Fakumbi. Donc, c'est son interprétation. Et donc, en voici un. Donc là, c'est une de ces représentations de Simbi, donc de ces esprits de la nature. Et donc, Bernard Ivan Gambuta pensait aussi que ce n'étaient pas ses ancêtres qui étaient les auteurs de ces gravures de Fakumbi et Gembo, et qu'il précisait aussi que ses ancêtres, finalement, ne faisaient que des offrandes à ces Simbi et aux ancêtres qu'on appelait Nkulu pour obtenir leur bénédiction. Donc, avant d'entrer au site, il perpétue un rituel en offrant donc, aux ancêtres les Bankulu, aux esprits de la nature les Bisimbi, du vin de palme que vous voyez ici. Donc là, c'est tous les éléments, tous les ingrédients qui sont utilisés dans le cadre du rituel. On trouvait aussi des noix de cola qu'on appelle des makassou en Kikango, des graines de l'ouzibou. Donc l'ouzibou, ça vient de l'ouziboula, donc qui veut dire ouvrir. Des champignons médicinaux tondo aussi. Donc je voulais aussi vous montrer un extrait d'un des rituels qui a été réalisé sur le site de Fakumbi, parce que là je suis en train de parler et puis je vous montre des photos, mais je trouve que c'est aussi important que vous puissiez voir les gens, entendre leur voix, etc. Je trouvais important d'avoir cet extrait, donc je vais le passer. Yadi intumbo nsamba yasisa bakulu ibeno simbiya
tusambula matokomano bezidi musalakisano bezidi muvanga nkubukulu ya ntieto ya Kongo ya intamba edikad tukwa Kongo nuzibu ya mamonto no budianua ya edikad ya ditond Kaidi Konko yaya Nyansieto Nuzibula Mamoncho na mafute salama Munchiyai Makana mansambu imalau Bika mamoncho no Menakubika zimfumu Nuzibula njila Eluzibu Eluzibu zibula njila Peut-être m'arrêter à cette partie-là. C'était juste pour vous montrer un court extrait parce que la cérémonie est beaucoup plus longue. Et comme je vais pas forcément développer cette partie, mais enfin, il faut juste que vous sachiez que ces cérémonies, ces rituels ont deux objectifs. Bah, d'abord, si par exemple au village les récoltes sont mauvaises, s'il y a beaucoup de maladies. Ou si de retour à la chasse, ben les chasseurs reviennent bredouilles, on va sur un site qui est signifiant. Donc, c'est-à-dire, ça peut être un site d'art rupestre de préférence, ou aussi un cimetière. Et on appelle, comme le fait Bernard, ses ancêtres, ses esprits qu'on appelle les Simbi, pour plaider leur cause et pour essayer de rétablir un équilibre. Et après, ces rituels, ces cérémonies, pour moi, on peut pas les. Il faut les faire parce que sinon, on n'a pas accès au site. Donc, il y a ce double volet. Parce que du coup, nous, ça nous permet de pouvoir être acceptés par les ancêtres, par les esprits de la nature. Et ça nous permet après de travailler tranquillement et sereinement. Donc, ce qu'on peut dire sur ces gravures de Fakumbi Dengembo, c'est que ça résulte probablement d'une remotivation. Une remotivation, c'est aussi un jargon, mais ça veut dire que c'est un art ancien qui est intégré à des pratiques actuelles. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ces sites rupestres, vieux d'au moins plusieurs siècles, participent de l'univers rituel d'aujourd'hui. Et là aussi, ce n'est pas un cas unique. Hein, on en trouve dans de nombreuses régions d'Afrique. Mais après, il ne faut pas non plus aller dans une certaine facilité parce que ça ne veut pas dire qu'on peut lire directement, par exemple, ces images anciennes à partir des visages présents. Parce qu'un site comme celui-ci qui a peut-être plusieurs siècles a pu avoir différentes fonctions et puis suivant les personnes qui font ces rituels, les motifs ont pu avoir différentes significations. Donc, il faut toujours garder ça à l'esprit et pour ne pas prendre ces résultats, enfin ces données, comme argent comptant. Dans tous les cas, on peut se dire que c'est juste, là, j'ai accès sur la tradition de chez Bernard Ivan Gambuta. Et on peut dire que c'est Bernard qui voulait, quelque part, faire son intéressant en me disant ce que je voulais entendre. Mais finalement, tout ce que Bernard a pu me dire, c'est des traditions qui se recoupent avec les autres chefs coutumiers qu'on a pu interviewer et qui se recoupent aussi avec ce qu'on peut trouver dans la littérature ethnographique. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment signifiant à l'échelle de toute cette zone Congo. Et pour vous dire, ce site à gravure s'appelle Fakumbi.
Donc il y a vraiment une tradition spécifique d'un couple qui a enfreint un interdit. Et bien cette même tradition, on le retrouve à une soixantaine de kilomètres de distance en Angola, sur un site qui s'appelle aussi Tadidia Pokombi, avec sensiblement la même tradition. Donc du coup, que cette lecture soit correcte ou non, elle insère incontestablement l'art rupestre au sein de l'univers rituel dans la vision du monde des interprètes locaux. Et donc nous espérons finalement avoir montré que l'étude de l'art rupestre bénéficie de la prise en compte des traditions orales, qu'elles soient associées ou non à une image spécifique. Il faut savoir que l'art n'est jamais déconnecté de la vision du monde qui prévaut dans les sociétés où il est produit. Et les mythes liés à l'origine de la mort et aux traditions sur l'autochtonie sont particulièrement significatifs en Afrique. Et tout porte à croire donc, que les images rupestres y sont souvent associées. Donc, que ce soit les sites d'art rupestre, les anciens villages et leurs cimetières, on trouve aussi des sites métallurgiques ou des anciens sentiers, des points signifiants donc, qui sont peuplés de ces êtres mythiques, ou des sites qui font encore l'objet de cérémonies. C'est donc tout un paysage culturel, mais aussi mythologique et rituel qui se révèle à nouveau et qui fait l'objet de nos actuelles investigations. Et c'est en ce sens que nous avons récemment développé tout un nouvel axe de recherche. Et l'idée, c'était de se dire, moi, ça fait maintenant 15 ans qu'on étudie les grottes ornées et on pourrait y passer enfin des vies entières. Hein. Mais on s'est dit, on a envie de sortir de la grotte parce qu'on est face à ce paysage que vous avez vu qui est juste extraordinaire. Et pour tenter d'avoir une vision générale, parce que finalement, par les traditions orales qu'on a pu obtenir et qui nous ont permis d'identifier des sites rupestres ou par nos prospections archéologiques, on sait qu'il y a un potentiel de recherche extrêmement intéressant. Donc on a pu inventorier, ça va du site lithique au site métallurgique, à l'ancien village et son cimetière, au camp d'initiation. Donc c'est vraiment très divers. Et donc finalement, notre objectif, c'était finalement d'intégrer les sites d'art rupestre dans le paysage archéologique du massif de Lovo au sens large. Et dans cette idée de mieux comprendre comment s'articulent ces sites rupestres avec les autres sites archéologiques. Donc de prendre pleinement en compte cette notion de paysage. Donc, voilà, juste un... Et donc, du coup, on a essayé de chercher une technique qui était la plus adaptée à avoir comme ça une vue d'ensemble de ce massif et pour en évaluer tout le potentiel archéologique. Donc, du coup, la photogrammétrie aérienne s'est vite imposée. Donc, le principe est simple. La photogrammétrie permet d'obtenir une visualisation en trois dimensions. Donc, ça peut être d'un relief ou d'un objet en prenant des photos sous des angles différents. Et pour faire simple aussi, la photo-interprétation de ces relevés va permettre, à partir de logiciels spécialisés, d'identifier de potentiels sites archéologiques. Un peu à l'image du LIDAR, qui est une technique qui est beaucoup plus connue et qui est utilisée sous couvert forestier, donc parce que ça permet de gommer le couvert forestier et de faire apparaître les sites archéologiques. Donc ça a été utilisé, on a des images, par exemple, de forêts d'Amérique centrale avec des centaines et des centaines de sites archéologiques, avec des cités qui ont été découvertes avec cette technique-là. Mais à la différence du LIDAR, la photogrammétrie, on ne peut pas l'utiliser sous couvert forestier, donc c'est deux techniques qui sont complémentaires. En tout cas, on a du coup conçu et développé tout un protocole expérimental et inédit pour le relevé photogrammétrique aérien des sites archéologiques. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé par plusieurs collègues, à la fois Renato Sealeri de l'UMR MAP et des collègues aussi de l'Université Libre de Bruxelles. Donc là, vous voyez David Lobublio et il y avait aussi donc Alexandre Van Dongen-Vogels. Et l'an dernier, en juin 2021, on a eu cette chance incroyable d'effectuer des relevés photogrammétriques par avion et par drone grâce à l'avion de la compagnie cyclière de Kulungongo
et à son formidable pilote Didier que vous voyez sur la photo, et que je remercie aussi sincèrement. Donc il nous a suffi de 2 vols avec cet avion jaune, de 3 heures de vol et de 20 000 photos pour cartographier l'entièreté des 400 km² du massif de Lauvaux. Donc ça, c'est des résultats qui sont actuellement en cours d'étude. Mais cette technique de pointe appliquée à l'archéologie n'avait encore jamais été finalement utilisée en République démocratique du Congo, voire dans toute la sous-région. Et à partir de ce référentiel photogrammétrique, ça va nous permettre d'avoir une information finalement sur la densité des vestiges présents dans le massif du Lauvaux. Donc c'est à partir de là que l'on va pouvoir faire des prospections pédestres pour identifier clairement les sites et puis faire des sondages, engager des sondages, voire des fouilles extensives pour les sites qui sont les plus intéressants. Donc ça, c'est un travail qu'on va faire cet été. Mais au vu de l'importante superficie à traiter, on a sélectionné dans un premier temps quelques zones test. Et donc, c'est tout un nouveau pan de nos recherches qui s'ouvre, qui est pour nous extrêmement stimulant et fascinant, parce qu'il nous permettra de jeter un regard complètement nouveau sur le massif de Lauvaux. Et donc voilà, donc on en est là, et on a hâte de retourner à Lauvaux en septembre prochain. Donc pour conclure, l'inventaire du massif de Lauvaux s'est enrichi de documents précieux, qui offre un grand intérêt tant pour l'archéologue, l'historien, l'ethnologue ou le conservateur. Et pourtant, le massif de Lauvaux est actuellement menacé et certains sites majeurs d'art rupestre ont déjà été détruits. Je pense en particulier à la grotte ornée de Mbafou qui en est un triste exemple. Du calcaire y a été exploité depuis les années 80 jusqu'à récemment. Donc il faut savoir que c'était une grotte qui avait été publiée et qui était l'une des plus connues. Et donc finalement, l'exploitation industrielle des massifs devrait se poursuivre, voire s'accélérer dans les années qui viennent. Et donc il y a plusieurs projets qui sont actuellement en cours. Donc on est vraiment aujourd'hui dans un carrefour, un peu un croisement, où il est encore possible d'agir pour sauvegarder ce patrimoine extrêmement important. Donc, vu le haut intérêt à la fois naturel, culturel et historique de ces sites, les autorités congolaises ont envisagé une initiative pilote pour inscrire le massif de Lauvaux sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là, de ce côté-là, les autorités congolaises sont extrêmement actives. Et donc, il y a plusieurs initiatives qui ont été déjà menées ces dernières années, notamment par le ministère congolais de la Culture et des Arts, l'Institut des Musées Nationaux du Congo, le bureau hors siège de l'UNESCO. Et c'est un peu en ce sens-là aussi qu'est née notre mission archéologique franco-congolaise, parce que c'est aussi une co-direction, qui depuis maintenant 2007 ambitionne à la fois de développer les recherches archéologiques en République démocratique du Congo, mais tout en formant aussi des jeunes chercheurs congolais à ces techniques de l'art rupestre, de l'archéologie, et en axant aussi un travail sur la conservation et sur la valorisation de ce riche patrimoine. Donc on souhaite que le travail qu'on a pu réaliser soit une pièce maîtresse pour établir une proposition d'inscription du massif de Lauvaux au patrimoine mondial comme le souhaite l'Institut des Musées Nationaux du Congo. Et c'est là aussi tout un pan de notre travail que je n'ai pas eu l'occasion de développer ce soir avec vous, mais qui va bien au-delà de la seule recherche. Donc Lauvaux, c'est un paysage, c'est une histoire qui est imbriquée dans celle du royaume de Congo, mais c'est aussi des hommes et des femmes comme vous et moi, qui aiment, qui se battent, qui espèrent. Et c'est vraiment à partir de ces entre-là, de rencontres et d'amitié qu'a aussi pris forme ce projet. Et encore une fois, travailler sur la rupestre, c'est un privilège, je le considère comme tel, et un grand plaisir. Et c'est aussi une aventure humaine, et que que je mesure pleinement à travers ce projet à Lauvaux. Et donc je tiens donc à remercier là aussi tous les habitants du massif qui ont toujours été présents. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite
à visiter notre exposition qui est actuellement au pôle d'interprétation de la préhistoire jusqu'en décembre. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas ou pour aller plus loin, on a aussi créé une version virtuelle de l'exposition. Donc vous voyez l'adresse apparaître sur l'écran, où vous pourrez télécharger toute une série de ressources libres et gratuites. Donc il y a notamment un livre qu'on a publié et qui est directement téléchargeable, que vous pourrez voir tout à l'heure. On a également conçu avec le ministère de la Culture un module sur les arts rupestres en Afrique, et qui fait intervenir aussi plusieurs collègues sur les questions d'arts rupestres, mais plus globalement sur tout le continent africain. Il y a également des émissions radio à écouter si vous voulez. Et donc tous ces liens se trouvent sur notre site internet. Et donc c'est la fin de ma conférence et je vous remercie donc pour votre attention. Merci beaucoup. Ça y est. Merci beaucoup pour cette intervention fort intéressante. La parole est maintenant à vous pour celles et ceux qui souhaitent réagir ou demander plus de précisions. Oui. Merci pour ce que vous avez présenté. Alors, moi, je suis désarçonné par tout ce que je viens de voir parce que c'est vraiment loin de, comment dire, de nos cultures, de ce qu'on sait, et puis on s'aperçoit qu'il y a des immensités de savoir et autres choses qui sont peu connues, quoi, hein, surtout de nos civilisations occidentales. Et j'ai vu une image qui m'a bouleversé, et je vous avais montré une croix là, et j'ai l'impression que c'était un coultreau de Mapuche. Alors, je ne sais pas si vous êtes, oui, celle dont je parle, avec un cercle autour là. Peut-être celle-ci. Oui. Il y a en Amérique du Sud, dans la civilisation des Mapuches, c'est exactement ce symbole, alors qu'il y a une autre qui n'est pas du tout rattachée à des sujets de chrétienté, des mélanges entre les cultures locales et autres. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de réfléchir à ça. Après, c'est encore une fois, là, on est vraiment dans les signes les plus simples, c'est des universaux, quoi. Donc après, dans tous les continents, à toute époque, ben, on a dessiné des croix, et avec dans des contextes différents, avec des significations différentes. Et ben, là, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que même si on est face à quelque chose qui, de prime abord, on se dit, ben, on peut pas trouver du sens. À partir du moment où on peut les dater, les situer dans le temps, on peut les situer aussi dans un contexte culturel précis, dans ce cas-là, dans le contexte Congo, ça nous permet de rendre ce motif signifiant et puis d'essayer d'échafauder une hypothèse la plus pertinente possible. Ça reste une hypothèse. Mais dans le cas de l'Amérique du Sud, il me semble qu'en Argentine aussi, je ne sais plus exactement dans quelle région, mais il y a aussi question d'art rupestre assez récent avec un syncrétisme hein, qui s'est opéré sur le motif de la croix. Mais je n'ai pas assez de connaissances dessus, mais il me semble que j'avais déjà lu un article de ce type. Et puis après, par rapport, encore une fois, après, disons que c'est une chance pour nous, parce que le fait d'avoir pu travailler sur ce site, sur le long terme, c'est pas donné à tout le monde. Et au tout début, ben, je suis parti avec trois bouts de ficelle pour ma thèse. Et aujourd'hui, ben, je suis amené à partir en équipe, en étant soutenu, etc. Donc, c'est d'avoir pu voir ce projet se grandir, se mettre en forme avec beaucoup de patience et beaucoup de passion. C'est quelque chose que, voilà, après qui me touche beaucoup et ce qui nous a permis aussi d'obtenir aussi ces données, ces résultats, parce que finalement, les sites d'art rupestre,
C'est comme si, par exemple, un chercheur congolais allait aux Zési ou ailleurs en France, dans un endroit qui était pour nous le plus sacré, où on n'en parle même pas à son propre fils. Et donc, du coup, c'est vraiment une relation de confiance qui s'est tissée au fil du temps. Donc, au début, ce n'était pas facile, hein, mais c'est vraiment en m'observant, on a beaucoup palabré, qu'on a été amené à me dire certaines choses, à me faire part de certaines traditions. D'abord, on montrait des sites qui n'étaient pas très intéressants, et à la fin, on m'a montré des sites qui étaient juste fabuleux à étudier. Et donc, c'est aussi la chance qu'on a eue de pouvoir chaque année séjourner dans ces mêmes villages. Et puis maintenant, c'est une seconde famille, quoi. Et donc, c'est une des forces, je pense, aussi du travail qu'on mène à Louvain. Si, merci pour votre intervention. Juste, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Je suis surpris de l'intégration avec les populations locales et en même temps des destructions que vous nous avez montrées. Alors certes, on peut attendre un classement, mais n'y a-t-il pas une réaction de la part de ces populations de voir disparaître ces patrimoines qu'ils considèrent sacrés ? Il n'y a pas un moyen en attendant un classement qui prend du temps, je suppose, une réaction ne serait-ce que par les autorités nationales et locales pour réagir ? Parce que, enfin, il y a un côté contradictoire entre le fait que ce soit des endroits sacralisés, extrêmement importants pour les populations, et en même temps qu'elles soient exploitées pour une ressource minérale. Ça me paraît surprenant. C'est une très bonne question. Et c'est vrai que là, actuellement, on est vraiment un peu, encore une fois, à un carrefour, finalement. Parce que soit on exploite industriellement les massifs et on détruit ce patrimoine, soit on les préserve avec un classement qui permettrait de les protéger. Après, il faut savoir déjà que c'est vraiment une recherche qui a été menée de manière collégiale avec les collègues congolais de Kinshasa, mais aussi une recherche qui a été menée grâce aux habitants des villages, parce que ils font partie de l'équipe, quoi. Parce que sans eux, on n'aurait rien pu voir. Et c'est vraiment une recherche qui s'est construite ensemble. Après, par rapport à cette question, c'est très délicat, parce qu'effectivement, mener une procédure de classement, c'est une procédure qui est longue, qui est coûteuse, qui demande du temps, de l'argent. Mais après, je pense qu'il y a des intérêts divergents, mais dans tous les cas, dans le cadre des autorités congolaises, de l'Institut des musées nationaux du Congo, il y a une volonté très claire et active pour protéger ce patrimoine. Donc c'est vraiment grâce à eux, grâce à leur autorisation qui nous a été donnée, par exemple, de travailler sur ce site. Et dans l'idée, justement, de classer le massif de Louvain au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et après, il faut savoir aussi que l'ancienne capitale du Royaume de Congo, Mbandaka-Congo, dont j'ai parlé au début, est déjà sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, donc côté angolais. Et donc, ça pourrait permettre peut-être aussi d'y associer Louvain en faisant le lien avec le Royaume de Congo. Donc ça peut être une possibilité justement pour que peut-être que la procédure puisse ainsi être plus courte. Mais effectivement, c'est une très très bonne question. Bonsoir et merci pour cette conférence. Deux remarques. La première, c'est qu'il est frappant de voir aux mêmes époques du fer, des métaux, toujours le même style sur tous les continents, ce style filiforme, spaghetti. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est pour vous remercier de remettre l'ethnologie comparée au goût du jour, qui a été bannie par pas mal de gens. Et je vois que votre travail est très important d'étudier aujourd'hui pour parler de hier. Et puis ma question, c'est, vous avez parlé en préambule de 30 000 ou même de 50 000 ans pour l'art rupestre africain. Ça, c'est pour moi, ça serait le scoop. Alors peut-être vous parlez de 25 000, 30 000 de Karta en Égypte. Je crois que c'est le seul endroit en Égypte daté si vieux, et c'est pas sûr.
Alors, ma question, c'est, y en a-t-il d'autres que vous connaissez? Je vous remercie pour vos questions. Pour l'ancienneté des arts rupestres en Afrique, la datation de 30 000 ans, en fait, c'est sur des objets d'art mobilier dans une grotte qui s'appelle Apollo 11, enfin Apollo 11, en Namibie. Et on a trouvé une sorte de figure un peu théranthropique. Enfin, bon, c'est une interprétation qui a été donnée. Après, comme autre élément de datation, c'est aussi du mobilier. C'est notamment en Afrique du Sud, dans la grotte de Blombos Cave, où on a trouvé, dans mon souvenir, un fragment de roche avec un dessin qui a été daté de 73 000 ans. Et puis une gravure aussi sur un bloc d'ocre de 75 000 ans. Enfin, les dates sont approximatives. Et après, par rapport au type qu'on peut retrouver de figuration, effectivement, il y a dans toute cette partie de l'Afrique centrale, il y a des types qui se correspondent, mais après, ça reste des traditions différentes, parce que finalement, rien que dans le massif du Lovo, on se rend compte de la variété des motifs. C'est vrai que là, j'ai beaucoup axé sur peut-être des motifs plus récents en lien avec le royaume du Congo, mais il y a également ces peintures géométriques rouges. Qui sont d'un style et d'une thématique complètement différente, avec des tracés digités. Et pour l'ethnographie, écoutez, moi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant de pouvoir travailler sur ces questions de remotivation de la rupestre, enfin, même si c'est un art, encore une fois, qui peut être préhistorique, qui peut être ancien, comment ces sites ont toujours sens, comment ces sites sont toujours intégrés par les populations locales, et puis dans l'idée également de pouvoir étudier si une tradition vivante est toujours présente sur le continent africain. Il y a notamment une région du Congo central où il y a un rituel, un culte d'un génie tonien qui s'appelle Mbenza, où des peintures ont encore été réalisées dans les années 50. Donc après, c'est ces questions-là aussi que je trouve fascinantes. Pour donner justement, pour voir les personnes aussi qui sont derrière ces peintures et pour pouvoir... donner du sens. Votre intervention. Oui. Merci. Moi, j'aurais voulu avoir un petit peu plus de précision quand au départ, vous avez parlé que les premières études, elles ont été faites au XVIe siècle. Donc, des précisions sur la découverte, en fait, finalement. Qui a découvert? Quelles traces on a de ces découvertes? Comment ça s'est transmis? Qu'est-ce que ça a donné, même en termes peut-être politiques à l'époque? Voilà, c'est cet aspect de la découverte et des traces. D'accord. Je vous remercie pour votre question. En fait, au XVIe siècle, c'est un missionnaire à l'époque qui s'appelait Diego del Santissimo Sacramento. Et donc, en fait, il le mentionne au détour d'une phrase. Mais il mentionne une pierre qui était écrite. Et pour lui, c'est une pierre gravée où il y a des écritures. Et pour lui, c'était Saint Thomas qui est passé. Donc, là, c'est la mention. Et après, un site a fait l'objet de description, c'est le site de Fetish Rock, enfin c'est pas son vrai nom, hein, parce que Fetish Rock c'est la pierre du fétiche, par cet explorateur britannique James Tuckey au 19e siècle, lors de sa reconnaissance du fleuve Congo. Et après, à partir de là, donc Lovo, dans le cas de Lovo, donc c'est toujours resté un blanc sur la carte jusque dans les années 50, avec un prêtre, mais celui-ci à l'époque coloniale, du coup, qui s'appelait le père de Munch, qui lui, au début, en fait, voulait retrouver les traces des anciens missionnaires à l'époque du royaume de Congo. Donc, les habitants d'un village l'ont une fois conduit sur un site d'art rupestre, et c'est comme ça qu'il a commencé un peu
à tirer la ficelle et à découvrir ces sites. Donc c'est vraiment lui l'initiateur de ces recherches dans la région. Et dans le cadre du massif de Louveau, à la fin des années 50, il y a eu un groupe de scouts qui a fait une petite monographie, un inventaire des sites. Et après, il faut attendre les années 70 que Pierre Demarais, donc, qui est l'un de mes directeurs de thèse, ait, durant sa mission, réalisé des sondages archéologiques et puis inventorié d'autres sites archéologiques pour qu'en 2007, on commence notre travail à Louveau. Donc c'est un peu ça l'historique. Le père Joseph Demunck, ça s'écrit M-U-N-C-K. C'est... Non, c'est K. moi, j'ai une question. En fait, ça veut dire que quand vous êtes arrivé en 2007, vous ne saviez pas encore qu'il y avait tous les sites dont vous avez parlé aujourd'hui. C'est-à-dire que petit à petit, les locaux vous ont amené sur ces sites, vous les ont fait découvrir, mais au début, quand vous êtes arrivé, vous ne saviez pas du tout que vous alliez avoir, enfin, vous alliez découvrir tous ces sites-là. Après, je ne suis pas parti quand même d'une feuille blanche, c'est-à-dire que je suis parti quand même des travaux qu'on, justement du père Demunck, de Pierre Demarais et d'autres qui avaient déjà recensé certains sites. Mais personne n'avait encore entrepris de recherche systématique, la plus exhaustive possible, des sites du massif de Louveau. Et donc, je suis parti avec ces éléments-là. Mais à vrai dire, j'ai procédé plutôt par les chefs coutumiers, par les chasseurs aussi qui ont une grande connaissance des sites rupestres, pour étudier des sites qui n'avaient jamais été répertoriés. C'est pour ça finalement que dans notre inventaire, sur les 73 sites qu'on a pu examiner, donc 66 n'avaient pas encore été répertoriés. Donc ça montre encore une fois tout le potentiel qui reste encore de recherche et de prospection dans ces massifs, parce que c'est des endroits qui sont tellement difficiles d'accès et que pouvoir avoir un inventaire exhaustif, systématique, je pense que ça met pas plusieurs générations. Mais c'est vrai que je suis parti de ces travaux, de ces précurseurs. Bonsoir. Bonsoir. J'ai toujours trouvé fascinant le peu de connaissances que nous avions, nous, colonisateurs, des royaumes que nous avions colonisés. C'est une petite aparté, parce que les royaumes africains sont un terrain historique fascinant. Mais je reviens, on parle de préhistoire, j'ai essayé de me raccrocher un peu. Est-ce que dans les sites que vous avez découverts, donc répertoriés, est-ce qu'il y a été mené des recherches au sol pour savoir, puisque les datations des peintures ont l'air récentes, entre guillemets, à l'échelle de la préhistoire, est-ce qu'il y a eu des présences même plus anciennes sur ces sites-là? Est-ce qu'ils étaient déjà des sites, particuliers, plus anciens? Merci pour votre question. C'est aussi une excellente question parce que finalement, ce massif de Louveau, c'est vraiment un point signifiant dans le paysage parce qu'une telle concentration de sites, enfin de massifs, on en trouve nulle part ailleurs dans la région. Donc on peut se dire que de tout temps, ça a dû attirer les hommes, une telle concentration. Et du coup, il y a eu des occupations préhistoriques parce qu'on a pu, par exemple, nous-mêmes inventorier des sites lithiques. Mais le problème pour les périodes anciennes, c'est que c'est le plus souvent les sites qui ont pu être étudiés ou sondés ont révélé un dépôt qui était très perturbé. Donc finalement, on n'a pas vraiment d'éléments clairs en stratigraphie par rapport à des périodes préhistoriques plus lointaines. Après, c'est qu'à partir, je dirais, du 4e siècle avant notre ère, où là, on a vraiment des choses qui sont clairement établies en stratigraphie, avec notamment un groupe de céramique qui est associé à des pierres taillées, à des pierres polies,
qui ont été datées du 4e siècle avant, un peu au même moment que l'apparition du métal. Quoi. Donc c'était les premiers signes finalement de population sédentaire. Mais avant ça, c'est une question qui est effectivement toujours finalement en suspens, parce que finalement, on n'a pas vraiment de datation réellement sur des sites qui sont clairement stratifiés, etc. Et ce qu'on a pu avoir jusque-là, dans la plupart des cas, c'est des sites qui ont été perturbés, donc les datations qui ont pu être élaborées ne sont pas forcément, sont à prendre avec beaucoup de pincettes. Par exemple, on sait que dans la plaine de Kinshasa, donc il y a des sites qui datent du Late Stone Age, donc de l'âge du fer récent, et qui datent aux alentours de 10 000 ans, par exemple. Mais là encore, c'est des sites qui sont perturbés. Et c'est aussi tout l'objet de notre futur travail à l'OVO aussi, c'est d'engager des fouilles archéologiques. Donc là, l'idée, dans un premier temps, donc, c'est de partir de ces relevés photogrammétriques, de ces analyses qu'on a pour prospecter des sites archéologiques dans la plaine. Mais un de nos objectifs, c'est aussi de pouvoir faire des fouilles au pied des parois ornées. Mais là aussi, c'est des opérations, c'est des choses qui doivent se faire avec beaucoup de précautions, parce que ce qu'on fouille, on le détruit aussi. Donc après, c'est pas prendre à la légère. Et peut-être une dernière question. On a peut-être le temps de prendre une dernière intervention en ligne ou non ? Eh bien, alors, on en reste là. Merci beaucoup à tous. Merci, Geoffroy Amlich, pour cette intervention vraiment intéressante, passionnante, qui nous fait un peu le droit fil avec l'intervention de Jean-Luc Le Callec que nous avons eue il y a quelques temps, en fait, avec une traduction in situ, là, pour le coup, d'un certain nombre de réflexions. Si vous voulez poursuivre, bien évidemment, et effectivement, Geoffroy en a parlé, vous pouvez aller sur le site, effectivement, de l'exposition. Vous pouvez venir au pôle. Nous sommes en train de mettre en place l'exposition. C'est une exposition qui a été donc sur le massif, la rupestre dans le massif du Lovo. C'est une exposition qui a été conçue par Geoffroy Amlich, avec le soutien du Centre du patrimoine mondial, avec le soutien de l'Institut des musées nationaux du Congo, avec le soutien du Centre national de préhistoire du ministère de la Culture français, donc, dont la directrice est présente parmi nous. Voilà, et donc un grand merci à vous. Le prochain, donc cette exposition sera visible, on la met en place là, et elle sera visible après jusqu'au mois de décembre, en fait, voilà, dans nos locaux. Le prochain rendez-vous du pôle, il sera le dimanche 19 juin pour une proposition un peu originale à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, puisque nous vous proposons non pas une conférence, non pas une rencontre, mais nous vous proposons une animation un peu spécifique à faire en famille ou entre amis, en groupe en tout cas, et c'est de vous mettre dans la peau d'un groupe d'archéologues pluridisciplinaires, des paléontologues, des archéologues, des archéozoologues, voilà, et il y a plusieurs disciplines, et en groupe, en famille, d'essayer de résoudre une enquête archéologique dans le cadre du Neanderlab que nous avons mis en place en parallèle ou en complément de l'exposition sur Neandertal. Voilà. Donc une formule un peu originale, ludique, à faire en famille. C'est pas que pour les enfants, ça se fait aussi. Ça se fait surtout entre adultes. Voilà. Donc les enfants peuvent participer, mais c'est pas une animation enfant. Donc voilà, vraiment une proposition originale pour vous familiariser avec certes Néandertal, mais aussi de manière ludique aux différents métiers qui composent l'archéologie et dont les connexions, les interrelations, en quelque sorte, sont nécessaires à la compréhension globale. Voilà, donc une invitation un peu originale, ça se passe donc le dimanche 19 juin après-midi. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée. Encore merci, Geoffroy Amlich, pour votre intervention. Thank you.